C'est là que ça se passe, le matin, 6h41. Mathieu, et votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris et vice-présidente du comité régional du tourisme. Florence Berthoud, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Moins de touristes depuis quelques semaines, quelques mois même, à Paris, en Île-de-France aussi, mais aussi, je le disais, sur la Côte d'Azur et dans certaines, pas toutes, mais certaines grandes villes ou lieux touristiques très fréquentés en France. Vous avez des chiffres, hein? Bon, on a des chiffres, oui. Les chiffres, c'est moins 1 million de touristes à peu près sur la région Île-de-France. C'est préoccupant. Le président du comité régional du tourisme, mon collègue, le maire de Fontainebleau, a annoncé les chiffres officiels, moins 1 milliard d'euros à peu près de recettes. Donc c'est tout à fait considérable parce que c'est les hôteliers, les restaurateurs, tous les professionnels du tourisme qui sont directement impactés. Et vraisemblablement, les projections, on va terminer à moins 1,5 milliard à la fin d'année, je pense, sur la région Île-de-France. Donc c'est effectivement préoccupant, avec moins de Chinois, moins de Japonais. Les Japonais, destination pratiquement, les Japonais en a diminué par deux. L'arrivée des Japonais en région Île-de-France depuis le début de l'année, les Chinois à peu près moins 20%. Et vous savez que ce sont évidemment des touristes qui ont un fort pouvoir d'achat, comme on dit. Donc il faut prendre des mesures. Alors je regardais, moins 43% au Grand Palais, moins 34% à l'Arc de Triomphe, moins 16% au Château de Versailles. Oui, ou à Notre-Dame également. Oui, Notre-Dame, la baisse est forte. Donc chez les touristes étrangers, plus que chez les Français. Oui, plus que chez les Français, quand vous regardez sur Paris, qui est d'ailleurs beaucoup plus impacté, on va peut-être y revenir, parce qu'il y a aussi des raisons objectives qui font que Paris est plus impacté. Ce sont des phénomènes cumulatifs, hein, qui, à un moment donné, s'ajoutent. On dit le tourisme, bien sûr. On dit le terrorisme, bien sûr. Le terrorisme, c'est la principale cause de l'absence de touristes. C'est une cause. Moi, je suis allée au Japon, j'ai rencontré le président des tours opérateurs, qui était inquiet, mais ils traduisent notre state of emergency par état d'urgence. Donc évidemment, ça leur fait très, très peur. Donc il faut rétablir des éléments de confiance. Il faut rétablir des éléments de confiance. Le terrorisme, puis il y a eu les grèves, les inondations. Et puis, enfin bon, c'est vrai que l'année... Et puis il y a deux facteurs au quotidien auxquels les touristes, comme d'ailleurs les Franciliens, les Parisiens, sont très sensibles, c'est la sécurité au quotidien. Il faut renforcer la sécurité au quotidien. Alors vous disiez tout à l'heure que j'étais vice-présidente du comité régional du tourisme, c'est parce que je suis conseillère régionale. La présidente de région a débloqué un bouclier de sécurité de 20 millions d'euros. Il faut que les autres maires, que les maires des communes, et en particulier que la maire de Paris s'implique plus, et le préfet de police, sur ces questions de sécurité au quotidien. Quand on voit en boucle, si vous voulez, ces images de touristes chinois et coréens dévalisés, ça fait des ravages sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a la propreté. On doit être dans des villes, dans des lieux qui sont propres. Et c'est vrai qu'à Paris, on n'est pas très, très gâté. Alors moi, dans le 5e arrondissement, j'avais été particulièrement touchée au moment des grèves. J'étais beaucoup intervenue. Hein, les quartiers de la Huchette, de Mouffetard, ce sont des lieux très, très, très visités. Et le touriste, il est sensible à l'accueil. Et puis, il y a quand même un aspect psychologique. Oui, parce que nous vivons tous à Paris. Franchement, ce n'est pas une ville dangereuse, Paris. Bien sûr, c'est pour ça que... Non, je ne parle même pas du 5e arrondissement, arrondissement privilégié, mais je parle de tous les arrondissements parisiens, même en Île-de-France. C'est vrai de la même manière, enfin... C'est vrai que nous vivons quand même dans un état de confiance, on se balade, on doit tous donner l'exemple d'ailleurs en allant dans les restaurants, les cafés, c'est à nous tous. Il ne faut pas s'arrêter de vivre, mais encore une fois, les meilleurs ambassadeurs du tourisme, ce sont les touristes et les tours opérateurs eux-mêmes, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc ouais. C'est pour ça que tout doit conjuguer pour avoir à la fois de la propreté, à la fois une sécurité au quotidien, et puis il faut aider les hôteliers qui ont beaucoup, beaucoup souffert, les restaurateurs, qui ont dû beaucoup investir, vous savez, ces dernières années, pour se mettre au normes handicap. Mais alors, comment se fait-il que dans certaines grandes villes de France, on souffre moins ?
on souffre moins. Bien, vous parlez de la confiance et vous parlez de l'effet psychologique. Je parle de même Marseille ou d'autres villes. C'est vrai. Moi, j'en discutais avec le maire de Montpellier qui me disait que finalement, il y avait autant de monde cette année que les années précédentes. Oui, l'effet psychologique, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai que quand vous allez en province, je pense que par exemple, les châteaux de la Loire, des fleurons du tourisme, on regardera les chiffres à la fin de l'année, mais seront beaucoup moins impactés. Je suis allée faire un petit tour de France pendant les vacances, je fais toujours ça, et j'ai pu constater que dans des villes comme Bordeaux, par exemple, les touristes étaient au rendez-vous. Oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, il n'y a pas eu d'effet terrorisme là-bas, fort heureusement, mais ce sont aussi des villes qui sont propres et où on a le sentiment qu'il y a beaucoup de sécurité au quotidien. Donc ça joue.